Laissez jouer le scorpion, salut et bienvenue à toi, on se retrouve pour le 43e épisode sur Tale of Arise. On est dans la forteresse de Valoran, c'est ça, on a le choix entre aller à droite ou à gauche. Je ne sais pas ce que ça change, donc on va aller là parce qu'il y a une salle à visiter. C'est du sage du trésor. Ah, mais je pensais l'esquiver, il va loin, lui. Non, toujours pas. Bon, j'ai vraiment marre d'avoir le nez qui pique. Youhou, qu'est-ce que c'est ça? Oh non, il s'est relevé. Oh non, les gargouilles vont faire des rayons. Ils font super mal. Oh, il y aura quelque chose de super intéressant dans le coffre. Ah, pilote qui me fonce dessus. Tiens, mange ça. Mais non, mais... On a trop de vie par rapport aux dégâts qu'on fait. Ah, fragment de statue infusé, c'est Gargoyle qui les donne. Pour point noir de G, ça c'est pour... pour toi. Pour toi, Lou. Bon, on va pouvoir aller là. On est dans la tour nord. Mmh.
Toujours pas. C'est un piège. Voilà. Deux gargouilles de chiens et une fusée à une masse visqueuse. Bon, j'ai pas le choix, je l'ai de range. Bon, ça va, ça n'est pas trop mal sorti. Bon, il doit y avoir quelque chose ici aussi. Au moins, je vais pouvoir faire les autres armes qui me manquaient des ingrédients. Ah, le rayon! Ça fait pas la face, mais... Là, et là, c'est moi qui m'ai pris de ça. Toi, tu meurs. Ah non, ok, je vais dire y'a rien, ça se peut pas. Camomille rouge. Bon. Trois bonhommes pour aller descendre. Haha, on peut les esquiver. Ok, ça monte. こうも飛び回られてはな。分かってるわ。
Oh mon dieu, ça bouffe la vie ça. Ah mais... Oh là là, elle fait chier l'autre avec ses pics de glace. Je suis rendu à 132, ça m'a pas débloqué d'art. Alors on va essayer avec tranchoir de fer. Bon. Ah oui d'accord, ça m'a mélangé les pops. Oh là là. Ok, ça sert à quoi ça augmente ton attaque. Ok, ça peut être intéressant, mais faudrait pas que je le mette là, faudrait que je le mette ici, genre. Ici. Ah, c'est bon, il nous a échangé. Non. Fayette souveraine. Ok, voilà ça. Plus d'épée alpha. Six mille fois. Ok, vous voyez, stockade sonique que je pourrais monter à 100. Destruction aussi. Bref. On va y aller de même. Lui, il est tout seul. Tellement pas safe là. Ah. 2000 gardes.
3000 galdes perdus pour rien. C'est un ennemi qui est tout seul, puis j'arrive à perdre 3 personnages. Bon. On va encore monter. Ah non, j'étais pas encore monté. Urgh. Il y a un mur à faire. Puis là, on se rend ailleurs. Parce que là. Je veux pas dépenser toutes mes gelées d'orange là pour avancer, c'est ridicule. On va se reposer, puis on va retourner là-bas, on va refaire les combats, puis... Il y en aura moins à faire. Parce qu'il y aura des explorations dans des salles que je n'aurai pas besoin d'aller. Allez, attaque plus... Blablabla. Dormir. Hop, afficher les lieux, château, entrée principale, non c'est vraiment pas se téléporter, façade, shop là. J'ai pas pensé j'aurais pu améliorer d'autres armes. oui c'est vrai j'ai rien acheté. Bon on va voir si on peut passer les combats. Oui. En tout cas, je pense que ça va être un boss que je vais galérer. Qui fait qu'il y a des chances que je fasse du leveling. Avant de faire le boss. Tiens, on va aller de l'autre côté. On dû lui mettre 5 ennemis. Ça y est, ça commence, 1000 de dégâts. Et voilà, j'ai déjà perdu 2000 de vie. Ah mais lâche-moi! Pourquoi il m'attaque quand je suis jamais prêt pour voir attaque? Ah c'est n'importe quoi, il attaque pas d'un coup. BOOM! Bon, toujours pas le bon tarte mystique. Enfin, j'ai suivi les choses qui étaient écrites. Hein. Bah, j'ai tous mes points de vie. Et. Oh, bah, ça tombe bien, c'est bon ça. De l'argent aussi. Bon, ça c'est moins chiant, juste des loups. マジンテン。
Tout ça pour de l'argent et du bœuf. Oh, il y avait l'autre salle à visiter. Ça marche pas. Hop là. Yes. C'est bien fait de pas acheter d'armure. Chose là-bas. Cinquante-neuf. Mon Dieu. Coûte cher en PS. Et voilà, on va avoir quelque chose d'intéressant ici. Les habits de soie. Pour Rinoel. Fais ça. Oh non, j'ai 4 gardes. Ah merde. Et voilà, voilà ce qui arrive quand on a trop de gardes.
C'est la jauge. Attention les prochaines fois, ne pas appliquer tout le monde sur moi. Je pense qu'il est bien, c'est que les gardes ils donnent des gelées de pêche, donc au moins derrière ça je peux me soigner. C'est sûr qu'il y a quelque chose de super intéressant. Oups, voilà de la carte. On continue les attirer. C'est sûr que là, avec pas de PS, j'irai pas loin. Ah, moi qui veux économiser mes gelées. J'ai quand même pas le choix. Et je vais en prendre deux. Ah, ils veulent pas bouger, donc ça c'est un combat unique. On va s'occuper des bleus en premier. Hop. Pourquoi son... ça a reset à chaque fois là. Non mais c'est pas lui que je vais attaquer. Pourquoi il change de cible? Allez, on peut se concentrer sur lui. Toujours pas de bon. Yeah.
Non, il ne reste pas devant. Mon dieu, pourquoi le point est sur la tête? On peut plus le mettre ailleurs. Non. Ah, c'est rare qu'on voit son armistique à elle. Je crois que c'est la première fois que je le vois. Bon. Voyons voir ce que ça nous donne. Ah tiens, des crocs là, c'est pareil, il m'en fallait pour des armes. Alors, oui. Non, c'est juste pour déverrouiller le pont-levis. On ne peut pas se servir de ça pour abaisser le pont-levis. Dépêchons-nous d'essayer. Avec un peu de chance, on va pouvoir le traverser maintenant. Il n'y a pas qu'un seul moyen. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. On n'a qu'à descendre là-bas et remonter en vitesse. Alors, bon, au moins, coffre. Un puissant remède. Bon. Ok, on peut descendre comme ça. Je vais juste regarder. Donc là c'était la tour sud. J'ai tout pris ce qu'il y avait dans la tour sud. Donc on va falloir retourner dans la tour nord. Et pour finir, je suis pas allé tout en haut ici. Et il y a sûrement des choses intéressantes. Donc on va retourner non pas profondeur ici. On va se reposer, récupérer les PS, re-rentrer et puis refaire la tour nord. Et ensuite, on pourra se reposer à nouveau et prendre le pont-levis. Ah là là, complexe. Alors, qu'est-ce qu'on cuisine Hop. Bla 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 bla. Oyasumi, minna. Ok, donc on va en profiter pour créer des armes. Donc, toi, c'est pas mieux. Toi, c'est mieux, mais il faut d'abord le bâton de Ténébris. Et toi, c'est mieux aussi. Donc, on fabrique, on équipe. Ah, j'ai plus assez de méga noyaux étranges. Ok. Tant pis pour ça. Ça, au pire, ça c'est pas trop grave là, c'est juste 13 d'attaque en plus. Et puis toi, tu peux te faire le gantelet. Là, même si je te joue pas, bah si ça augmente quand même son attaque quand je l'appelle en bonus. Ouais. Acheter des objets, hop, vendre. Voilà, je me suis remboursé mes armes. Et on va acheter les oranges. Et puis
Puis résurrection, on se refait le paquet à 15. Est-ce que j'aurai des armures à acheter actuellement? Non, tout ce que j'ai trouvé est supérieur à ce que je pouvais acheter. Donc ça, c'est bien correct. Ok, donc on s'arrête ici pour cet épisode. Alors j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Coche la cloche. Et puis n'hésite pas à mettre un commentaire également. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.